Les amis, bonjour à tous. Nouvel épisode de l'Actu sans borne. Et alors, quel Actu sans borne aujourd'hui, puisqu'on l'avait promis, spécial mondial. On va faire le bilan du mondial. Exactement. Et autant dire que c'est attendu au tournant. Mmh. Normalement, on a, pour commencer, une sorte d'interlude avec notre revue de presse. Mmh. Là, je vous ai apporté un magazine. Autant dire que ça valait... T'en as pris beaucoup. Autant dire que ça va aller très, 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 très vite. C'est un magazine qui s'appelle O2. O2, c'est le magazine lifestyle de l'Opinion, qui est un quotidien. Okay. Et dans O2 de ce mois-ci, outre Antoine Arnault, grande interview en exclusivité, ils ont des pages automobiles. Écrites par Nicolas d'Ambreville, éminent confrère. Et alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'il fait une analyse des détails automobiles qui n'en sont pas. Jusqu'à d'ailleurs citer Léonard de Vinci, disant « les détails font la perfection et la perfection n'est pas un détail ». Je trouvais que la phrase était rigolote. Et surtout, quand il parle de détails automobiles, il va puiser dans des voitures qu'on a eu la chance parfois de décrire chez nous déjà sur 100 bornes. Donc l'Alpine, le Scénic Vision si je ne me trompe pas. DS. DS, et ça par contre je ne sais pas. C'est BMW, c'est le BMI X avec des boiseries. Okay, et, ouais. Et des Lexus. Mais surtout cette Alpine, tu sais, 100% électrique, on en a assez peu parlé. Oui. Il y revient. Ça se lit, mais comme un petit bouquin. C'est hyper sympa. Allez le voir, c'est dans O2 de ce mois-ci. Voilà, je vous le conseille. Franchement, c'est de qualité. Le mondial, on y va, c'est parti. Est-ce alors, que c'est un succès? On est tous pendus à toi. Alors dis-nous, dis-nous, est-ce que ça a marché? Ce qui est marrant, c'est que là, il y a une bataille sur Twitter, sur les réseaux sociaux, globalement, savoir si ce mondial est un succès ou un échec. Très honnêtement, on ne va pas se faire beaucoup d'amis. Parce qu'en fait, on va se mettre amis avec aucun camp. Celui qui dit que c'est un succès, c'est un menteur. Ah oui, carrément. Celui qui dit que c'est un échec, c'est un menteur. C'est un menteur aussi. C'est-à-dire que très honnêtement, c'est le verre, si on peut devoir résumer ce mondial, c'est le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ah oui, c'est aussi nuancé que ça, en fait. Chacun, il verra ce qu'il veut y voir. Globalement, il a fait 400 000 visiteurs, 397 812 visiteurs. Pour être très précis. En combien de jours il faut le... En 7 jours. C'est ça, ta remarque est très pertinente parce que tu vas m'amener justement au point. Si on fait au comparatif par rapport au mondial de 2018, lui, il avait duré 13 jours. Sachant que les amis, dans les 13 jours et dans les 7 jours, il y a un jour réservé à la presse uniquement. Donc forcément, ça accueille un peu moins de personnes. Et dans les 13 jours, il y avait 2 jours réservés à la presse. Donc pareil, ça accueille un peu moins de personnes. Donc du coup, si on fait une moyenne par jour, parce qu'il y en a un qui a duré un peu plus longtemps, celui de 2018, il avait accueilli un peu plus d'un million de personnes. 1 068 000 personnes, pour être exact. Donc 1 068 000 versus 398 000. Donc on va voir le ratio jour. Voilà. Et donc le ratio jour, on était à 57 000 pour cette édition. On était à 82 000 pour l'édition précédente. Donc ça fait quand même. Elle a accueilli un peu plus d'un million de visiteurs. 1 068 000, exactement. Ça fait quand même une différence de près de 40%. Donc oui, la différence est énorme. Mais en même temps, il y avait peu de marques qui ont joué le jeu. Donc moins de choses à voir. On y était tous les deux. Il y avait quand même, là où d'habitude il y a 6 halls, il y en avait 3 de remplis. Dont un qui était particulier, qui était moins festif que les autres. Si tu cherchais des frites, tu pouvais y aller, mais ou les toilettes, mais sinon il y avait légèrement moins de choses à voir. Mais par contre, donc celui qui dit que c'est un succès, il peut pas dire que c'est un succès. Ah oui, t'es tranché. Oui, aussi. C'est-à-dire que très honnêtement, l'audience est en baisse de 40%. Celui qui dit que c'est un fail, non, ce n'est pas un fail. Pour que vous ayez aussi une connaissance des enjeux derrière. C'était le Hopscotch, qui est une agence très connue et reconnue. Et de grande qualité. Exactement. Ouais, ouais. Qui organisait le mondial. Et en fait. Et qui sont des vrais professionnels. Hein. On connaît le président d'Hopscotch, c'est quelqu'un de super. Enfin voilà. Au-delà des gens qui sont super, pas bien, en tous les cas, dans le marché, ils ont une très bonne réputation. Et en fait, le marqueur, c'était l'événement, il ne perd pas d'argent à partir de 350 000 personnes. OK. Donc je pense qu'ils ont eu quand même un peu peur. Quand on lit les interviews de chacun, ils ont dit, on ne sait pas si on est rentable ou pas, parce qu'en fait, on a dû faire tellement de com qui n'étaient pas prévus pour essayer de supporter l'événement. Pour essayer de supporter,
que du coup, on ne sait pas s'il y a 400 000, c'est rentable donc, ou pas. En ce moment, ils sont sur leur calculatrice avec la compta. Pour, Exactement. Donc ça, c'est assez rigolo. Il y a une chose aussi à dire, c'est que le Mondial accueillait énormément de personnes en dehors de l'Île-de-France. C'est-à-dire qu'on venait de loin pour voir le Mondial. C'est bon, c'est exactement le point que j'avais. Et aujourd'hui, non seulement ça a été peu facilité parce que l'essence... elle était peu accessible. Exactement. Donc certains disent, en plus, on a mis des barrières aux barrières. Pour vous donner des chiffres, pour vous quantifier un peu ça, normalement, 60% des visiteurs du Mondial viennent en dehors de l'Île-de-France. Cette année, c'était uniquement 40%. Donc ça joue aussi, Vincent. Quelle est la part de désamour? Quelle est la part de « je n'ai pas trouvé de chance pour venir » ou « j'ai eu peur » On peut estimer qu'elle est importante. Et ça fait quand même une différence de 50%. De 40 à 60%, il y a une différence de 50% dans ce chiffre. Donc du coup, c'est quand même une énorme épine dans le pied. À cela, est-ce qu'on peut aussi ajouter un prix qui a étonné beaucoup, qui était un prix d'entrée de 30 € si tu te présentais au guichet, et qui était de 16 € sur Internet, qui était quand même un prix un peu élevé. Il ne faut pas se raconter de bêtises. Ah oui, nous qui avons fait ou qui avons passé beaucoup de temps au Mondial, et d'ailleurs les gens qui sont avec Alain, Hugo, qui sont derrière les caméras, passer beaucoup de temps avec nous, 30 € par rapport à ce qu'il y avait, moi je vais me mouiller, c'est trop cher. C'était une remarque que beaucoup ont faite, hein, ce qui est naturel. Exactement. 16 € me paraît un prix beaucoup plus correct, raisonnable. Mais 30 €, oui, c'est trop cher. Après, le Mondial s'est défendu, et je ne sais pas si c'est vrai, si c'est faux, ils ont dit que parmi tous les billets qui ont été vendus, seuls 5% étaient des billets à 30 €. Tout le monde avait pris avec le fameux système des créneaux, qui a priori est un succès. Ça a pas eu une bonne image sur les réseaux, où en fait tu pouvais venir et tu avais accès au salon que de telle heure à telle heure. Un peu comme les expositions, exactement, pour la visite de musée et tout ça. Ok. Et donc eux, ils disent que seulement 5% des billets sont vendus à 30 €. Soit. Oui. Ok. Final, si c'est la vérité, pour le coup, ça se compense. Autre point. Oui. Et après, je te laisse la parole. C'est que normalement, comme le salon dure très longtemps, il y a beaucoup d'invitations. Un, il y a beaucoup de constructeurs. Et deux, les organisateurs du salon balancent aussi beaucoup d'invitations gratuites. Donc mais, là, mais, ils ne sont pas comptés normal, dans les chiffres. Puisque les constructeurs permettent d'inviter leurs partenaires, exactement, des clients. C'est aussi un salon professionnel. Exactement. Ça permet de faire justement développer des projets futurs avec tes clients. Enfin, c'est la base de la base. C'est un truc classique. Et là, en fait, il y en a eu beaucoup moins. Et donc, du coup, comme il y a eu beaucoup moins d'invitations, bah, ça te gonfle artificiellement moins les chiffres que les autres années. Ah, c'est marrant d'avoir tout ça. Un point quand même, on a vu beaucoup d'images où le Mondial, les allées étaient saturées de monde, comme à la plus grande période. Ouais. Notamment, le plus grand succès du Mondial, c'était en 2004, où ça avait frôlé 1,5 million de visiteurs. C'était l'un des événements les plus courus. Pour dépasser cet ordre d'idée, il faut aller chercher des compétitions sportives comme le Tour de France ou le Mondial de foot. Et il y avait quand même de très beaux stands. Moi, on en est revenu quand même le premier jour de tournage. Le stand Renault, ils ont parfaitement joué le jeu. C'est-à-dire que le groupe Renault, c'était des stands dignes de des plus merveilleux stands qu'on a toujours vus au Mondial. C'était merveilleux. Et d'ailleurs, je pense que le Mondial peuvent remercier Renault parce qu'en plus… Tout le groupe, ouais, Dacia, Alpine et tout ça. Allez voir. D'ailleurs, on a fait une interview avec Arnaud Belloni, qui en parle remarquablement. Et en plus, sans langue de bois. Ouais. Et en fait, je ne vais peut-être pas utiliser les bons mots, je vais être un peu vindicatif, mais Renault a pris une posture en faisant la leçon aux autres, en disant « on doit être, c'est une fête importante, elle n'arrive pas souvent, on doit y être présent ». Et en fait, a priori, des indiscrétions qu'on a, c'est que les marques qui n'étaient pas présentes ont vu ce discours-là, appuyé par d'autres marques en plus, et qu'ils ont vu que finalement les chiffres étaient pas si mauvais que ça. Pas si mauvais, ouais, ouais. Et en fait, beaucoup ont regretté finalement de ne pas être venus. Et déjà, l'organisation dit il y en aura un en 2024. On ne sait pas si c'est vrai. Ah ouais. On ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais il faut qu'il y en ait un en 2024. On a beaucoup cru qu'il n'y en aurait pas en le prochain, qu'il allait être annulé. On ne sait pas si c'est... Mais c'était la rumeur qui courait partout dans le milieu. C'est marrant parce que justement, ceux qui n'y étaient pas avaient tout intérêt à dire, vous avez vu, on a bien fait de ne pas y aller, ouais. Ça n'a pas fonctionné. Ceux qui étaient avaient tout intérêt à dire, effectivement, on se met tous à leur place. Nous y étions aussi. Mmh. Bah, c'est super, c'était formidable. Là, les chiffres donnent ni raison à l'un ni raison à l'autre. Au fond, on a atteint un truc à peu près... C'est ni un succès ni un échec. Ce qui est en fait, pour moi, un succès.
puisqu'on aurait pu parier que dans un monde tel qu'on le vit, où avant même le Covid, les salons étaient en perte de vitesse, en fait, c'est énorme d'avoir atteint ce seuil-là. Oui. Et là où moi j'en reviens, et on pourra me dire, mais ça n'est qu'une impression avec tout le risque qu'il faut accorder aux impressions, qui peuvent être trompeuses. Mais c'était une véritable fête. Les visiteurs, il faudra regarder les enquêtes de satisfaction, mais je pense qu'ils avaient plutôt le sourire. Nous, ce qu'on a pu observer, c'est que les gens étaient plutôt contents. Et moi, en tant qu'amoureux de bagnole, j'étais super content, notamment quand tu déboulais sur le pavillon 6 avec le stand Renault, les Dacia à droite, les Alpine au bout. Tu te dis waouh, nos copains de Villebrequin qui étaient là aussi et tout ça, qui ont fait aussi le show, qui étaient là, qui ont permis aussi à une nouvelle génération. Ils ont drainé quand même, ils ont attiré une nouvelle génération. Qui, normalement, je ne sais pas si elle serait venue ou pas, mais en tout cas, qui a permis à des gens d'une vingtaine d'années d'être aussi présents. Les gars, chapeau. Et de dire aussi, parce que j'en parlais, bah on a évidemment des amis dans le milieu. Le salon de Détroit, c'était pas la fiesta. Hein. On critique la moquette rouge qui manquait au Mondial. Au salon de Détroit, c'était vraiment pas la fête. Donc, tout ça pour dire, go 2024. J'imagine que ceux qui n'étaient pas là vont se dire au final, on aurait mieux fait d'y être. Et je croise les doigts, j'espère, pour que enfin on ait en 2024 quelque chose de digne de ce nom, que la guerre en Ukraine, que Monsieur Poutine, tout ça sera loin derrière nous, que l'énergie, on aura enfin réglé la situation, que la croissance sera repartie comme ça, qu'avec nos amis allemands, on s'entraînera enfin super bien, que l'Europe et la démocratie en sera ressortie, et que justement 2024, champagne et que tout soit génial. Je suis un peu plus mitigé que toi, c'est-à-dire que on avait une forte inquiétude de savoir est-ce que ça serait le dernier ou pas. Moi, ce que je pense, c'est que tout est en train de bien se goupiller. Pourquoi ? Le salon, là où je ne te rejoins pas, c'est... Oui, c'était agréable, mais non, ce n'était pas la fête que c'était les salons précédents. Donc moi, je n'ai pas trouvé ça aussi festif. Et je pense que les gens qui ont payé un billet, peut-être 30 euros, qui sont venus et qui n'avaient que deux halls, voire un troisième, mais très humblement, le troisième, sans faire injure à personne, était d'un intérêt moindre... C'est un peu déceptif. C'est un peu déceptif. Oui, oui. Et je pense aussi que tout va bien se goupiller parce qu'ils ont de la chance que ce mondial, selon moi, s'est rempli sur une dynamique ancienne. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de venir au mondial, ils sont toujours venus. Je pense que si le prochain, la dynamique reste la même, le mondial se remplira beaucoup moins que ce qu'il a été cette année. Oui, il faut vraiment hausser le ton. Voilà. Ouais. Mais par contre, je pense que ceux qui n'étaient pas là ont regretté de ne pas être là. On loupait le coche. Et donc, du coup, j'anticipe qu'ils vont venir et que le prochain va avoir lieu. Et je pense sera une plus grande réussite que celui-là, qui, encore une fois, n'était pas un échec ni un succès. Mais je pense que tout se goupille bien pour un prochain mondial d'un meilleur niveau. On a été heureux quand même de découvrir les super. Chinois. Ah oui, mais tu vois, l'industrie chinoise. On a passé des super moments. Et chapeau d'avoir été là, les mecs. Et puis Opium. Le stand était dingue. Opium, pour ceux qui n'ont pas vu, mais allez voir, on a mis plein de vidéos, et notamment celle d'Opium. Allez voir Opium, bien sûr. Opium, on l'avoue avec toute transparence. On n'avait pas forcément prévu de faire le stand Opium. On est passé devant. On a vu un stand assez grand avec une voiture tout seul. Une ambiance très différente. On s'est mis autour de la voiture. On a parlé avec Kiran, le directeur marketing de la marque. Il y a le directeur du design qui arrivait. Ouais. Même eux, il s'est passé un truc où ils se sont dit « Attendez, on va vous privatiser un peu le stand. » Et tout le monde était très heureux. On est resté longtemps. On a discuté avec eux. On s'est même rappelé et tout ça. Et il s'est passé un truc très sympa. Et donc, du coup, ça me fait une parfaite transition aussi pour vous partager quelques petits chiffres. Ben, en fait, aussi, le salon, les constructeurs ont une approche beaucoup plus héroïste. C'est-à-dire qu'ils cherchent beaucoup plus une rentabilité à ce salon qu'ils le cherchaient dans les autres années. Expliquons ça. ROI, c'est le retour sur investissement. Et donc, du coup, on parle des chiffres qu'ont généré ce salon. Opium a signé un contrat à 1,2 milliard. J'ai bugué quand j'ai vu. 1,2 milliard. C'est-à-dire qu'une voiture Opium, c'est une voiture à hydrogène qui n'est pas encore commercialisée, qui arrivera en production d'ici 3 ans. Ils sont en train d'ouvrir une usine, je crois, vers Rouen de mémoire. Ils ont signé un contrat avec le Crédit Agricole
de 10 000 voitures à 120 000 euros de pièces. Le Crédit Agricole, ils ont, c'est hallucinant. Ah oui, c'est du jamais vu. C'est une prise de risque. Je crois que c'est le plus gros contrat. C'est un des plus gros contrats de tout le temps. C'est historique. Ouais, enfin, ou alors il faut remonter au début du XXe siècle, ou avec André Citroën, où tout à coup tu avais un établissement financier qui disait OK, je parie sur vous. Oui, mais il faut aller chercher dans les archives. Hein. Ce qui est rigolo, c'est que le contrat est tellement gros qu'ils ont dû mettre, selon les indiscrétions, des clauses comme quoi, comme 10 000 véhicules pour Opium qui n'en a pas encore commercialisé un, c'est tellement énorme qu'ils ont mis des clauses où ils ne livrent pas tout rapidement pour pas que Crédit Agricole absorbe la totalité de la production. Ils ont mis des quotas. Et donc, ils n'en livrent que 2000 par an pour qu'ils n'aient pas la totalité de la production de opium. Incroyable. Et il y a Renault, je crois, qui a laissé… Parce que c'est une berline, il va falloir, tu vois… Oui, puis à 120 000 euros. Puis c'est de l'hydrogène, c'est une nouvelle… Il y a quand même du travail. C'est une prise de risque. Le marché qui serait visé, donc Crédit Agricole devient propriétaire de ces 10 000 unités. Tu vois comment ça se passe? Il les distribuerait, je sais pas. Il les mettrait à la location, ils irrigueraient un marché européen. Tu vois, j'ai du mal à... Ils n'ont pas une exclusivité de distribution. Ils ouvrent un parking avec 10 000 places, ils disent ce sont nos 10 000 voitures à nous. A priori, je pense que toutes les banques, d'ailleurs c'était une bizarrerie et une nouveauté de ce salon, la présence des banques. Crédit Agricole, qui hébergeait des marques, BNP Paribas, qui était là aussi en force. Et en fait, mine de rien, les banques veulent aller sur le terrain de l'automobile. Des groupes de distribution importants aussi, Cosmobilis qui était là aussi en force, qui était, c'est intéressant. Mais les distributeurs sont là. Ouais. Oui, mais les banques veulent prendre de plus en plus, elles veulent aller sur le terrain de l'automobile. On a vu une opération qui est sur ces derniers mois qui était assez importante, qui était le rachat de, je crois, je confonds toujours entre LD et Displan. Les deux appartiennent à Société Générale. Et donc il y en a un qui a été racheté par Société Générale pour quelques milliards, je crois, un peu plus de 5 milliards. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, par exemple, ALD, qui appartient à la Société Générale, Arval, qui appartient à la BNP, ce sont, eux, des établissements financiers qui font de la location longue durée. Ce sont des empires mondiaux. Oui. Et ils pèsent, pour beaucoup, dans le résultat net de leurs banques respectives. Oui. C'est-à-dire que c'est un business qui est rémunérateur et qui est aussi intéressant pour ceux qui utilisent ce mode de financement automobile. Et les banques veulent y aller. C'est gagnant-gagnant. Et c'est très intéressant de voir que ça marche. Les banques veulent y aller de plus en plus. Les banques veulent se mettre à vendre des véhicules elles-mêmes. Donc, on parlait de ça à cause de Opium. On ne sait pas quelle est la stratégie de Crédit Agricole. Ce serait intéressant qu'on interviewe Crédit Agricole. Ouais, ça pourrait être sympa. Hein, on vous tiendra informé dans un prochain Sans Borne Actu. On va faire quelques petites choses. Un petit point aussi. Pour conclure, parce que je vois que le temps file, dans le point de cette semaine, allez lire un papier de Jacques Chevalier. Jacques Chevalier, c'est un éminent confrère et il fait le point justement sur les zones à faible émission. Vous savez, ces zones où normalement on va exclure les voitures qui sont considérées comme le plus polluantes, notamment grâce aux vignettes critères. Les ZFE pour les amis. Les ZFE. Allez voir son papier, c'est formidable. Qui est concerné? Quelles sont les zones en France qui vont justement fermer leurs portes assez vite? Il y a un terme qui est en 2025, où normalement… C'est une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement. Il explique à juste titre qu'effectivement, on se souvient tous que le mouvement des Gilets jaunes est né de quelques centimes supplémentaires à la pompe, auxquels on a saupoudré aussi un petit peu de 80 km/h au lieu de 90. On a vu ce que ça a donné. Serait exclu de fait, alors le terme, mais normalement c'est 2025 puisque les règles sont celles-ci, c'est plus de 10 millions d'automobiles concernées à qui on dit vous ne pouvez non seulement plus circuler, mais comme elles ne peuvent plus circuler, elles deviennent invendables. Oui, c'est sûr que et ce sont les gens qui ont le moins d'argent. Et qui en ont besoin pour aller travailler. Enfin, ça paraît un... moi, je le dis depuis 2 ans. Je vais vous révéler un truc. Ça fait 2 ans que cette information-là, et qu'on a fait tous nos calculs, on s'est tous appelés en disant « Putain, le nombre de voitures concernées est gigantesque. » Ça va péter. Et on n'osait même... Moi, je vais l'avouer, je n'osais même pas trop le dire officiellement. Non, c'est quand même énorme. Et sachant que de toute façon, il y aurait justement une prise de conscience de la part de chacun pour dire on va atténuer le truc et on va atténuer la mise en route du processus. Ce qui est le cas aujourd'hui. Les municipalités ont dit attendez les gars, on va ralentir. Juste pour aider les gens à se situer. Mais c'est vrai que c'est chaud. 10 millions de véhicules, notre parc roulant, je crois qu'il est de 40 millions. Mmh. Donc en fait, vous descendez dans la rue,
ça fait... Une voiture sur quatre, une voiture sur cinq. C'est pas une minorité. Et c'est des gens qui ont besoin de leur véhicule. C'est pas, il n'y a pas que des gens qui habitent à Paris. Quand tu habites à Rennes, quand tu habites à Limoges, quand tu habites je ne sais où, bah, ta voiture, c'est pas un loisir, c'est un objet, c'est un moyen de déplacement. Et c'est en fait, l'évidence. Ceux qui décident à Paris, faudrait qu'ils se rendent compte un peu. Je pense que des gens qui sont, disons-le très clairement, à la municipalité à Paris, sont dans un véritable dogmatisme. Ah, n'ont oui. pas du tout conscience de ce qui se passe. Et sont, et c'est pas, je ne souhaite pas du tout tenir des propos populistes, mais quand je vois, j'entends et je lis leurs propos... La vie n'est pas à Paris, en fait. Les bras parfois m'entendent, je me dis, mais ils ne se rendent plus compte. Est-ce que tu as d'autres petites news à nous partager? On a fini un peu sur ce bilan du mondial. Ouais, et puis ça fait 20 minutes et puis on est toujours très, très... on a reçu, il y a quelques jours, notre voiture. Ah oui, pardon. Toute jaune. Je me dis de quoi il parle. Qui a un grand sourire. Ouais. Voilà, pour finir en sourire. On en a fait l'essai. Je veux parler évidemment de la Volkswagen ID. Buzz, ouais. Ce van extraordinaire qu'on a un peu baptisé notre Mystery Machine, ouais. qui va nous emmener très loin pour plusieurs dizaines d'épisodes où on va recevoir des personnalités connues ou moins connues, mais qui nous raconteront leur carrière, leur vie au volant. Voilà, c'est un de nos grands shows. On va la garder. On a tourné la première. Ouais. Voilà. On mettra une petite image avec incrustation d'image. On peut peut-être le dire. C'est Jean-Pierre Gagic qui est notre parrain. Ouais. Voilà, donc on l'a reçu. Il va faire partie d'une longue liste d'invités. Mmh. On a appris énormément de choses avec lui. On part vers une destination pour faire plaisir à l'invité. Ouais. Et honnêtement, on était... On garde un peu peut-être de suspense pour... C'était vraiment très sympa. Diffusion à passer la mi-novembre, parce qu'il faut qu'on en tourne davantage et tout ça. Et on aura tous les 15 jours. J'ai exactement. Peut-être été un peu long, je ne sais pas s'il fallait qu'on le dise. Mais et l'ID Buzz, on l'a essayé. On est spontané, on est transparent, ne changeons pas. Quelle bagnole ! On a adoré. Quelle bagnole ! L'ID Buzz, on s'est battu un peu pour l'avoir quand elle est sortie. Ce n'est pas Volkswagen qui nous a approchés. C'est nous qui la voulions. C'est nous qui la voulions. Et je vais finir aussi pour un... Et c'est nous qui la voulions, puis ça fait plusieurs mois de boulot, en fait. Ah oui, ça fait depuis, on est en discussion depuis très longtemps. On a un petit cadre derrière. Mais bien sûr. Ce petit cadre, on a oublié d'en parler. En fait, c'est si vous voulez aller voir, on a fait pendant le Mondial une émission, enfin, on a filmé la nouvelle finition de la DS9 qui est Opéra première. Et on a eu la chance d'avoir Thierry Métroz, qui est le patron du design de chez DS. Et en fait, Thierry a organisé avec ses designers des sketchs qui étaient disponibles à l'achat sur le stand du Mondial. Et en fait, il nous en a fait part et il nous a emmené et il nous a tellement bien vendu le truc qu'on en a acheté un. Hein. On l'a payé avec nos deniers. Je peux partager la somme. C'est un dessin unique, original. Donc, ce n'est pas un montant donné, mais ce n'est pas non plus. On a payé ça 200 euros. C'est une œuvre d'art. Hein. C'est unique et on a eu le choix en plus et on s'est dit celle-ci nous plaît énormément. Voilà, donc elle va nous accompagner sur son borne. Exactement. Voilà. Et vous la verrez dans le décor. C'était un petit clin d'œil et la vidéo. C'est signé Thomas Duhamel. Ouais. Voilà. Peut-être qu'un jour, on pourra la mettre dans nos bureaux, tu vois. Ce sera notre Joconde à nous. Ouais. Hein. Et autre petit point à vous partager, mais pas sur le cadre. Vendredi, vous allez retrouver en essai le Tesla Model Y. Pourquoi on a filmé ce modèle Alors, c'est la première fois qu'on fait ça. C'est en fait, on a vu une opportunité. Parce qu'Alain, il sait pas où je le mets, donc il se marre. Il sait truc, il est embarrassé. Il me dit le micro, il fait pas gaffe. Donc voilà, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici. Et il faut qu'on en prenne soin. Ça a quand même beaucoup de valeur. Vas-y, pardon. Vous verrez vendredi l'essai de la Tesla Model Y. Il y a une actualité. Pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a aussi une actualité. Tesla vient d'annoncer qu'il allait sortir des nouvelles couleurs. Le nombre de couleurs est assez limité au catalogue de Tesla, soyons très honnêtes. Et donc là, ils ont fait un teasing cette semaine, comme quoi il allait y avoir des nouvelles couleurs chez Tesla. Et ils ont pris notamment la Model Y. Et nous, on avait filmé, là, on compte mettre vendredi. On avait filmé avant l'annonce, donc du coup, on n'en a pas parlé. Mais on a essayé la Model Y. En plus, on a eu la chance d'avoir le modèle Performance, qui est le modèle le plus puissant. Et qui est performant. Ça a le 0 à 100 d'une Porsche 911 ou d'un Lamborghini Urus. Pourquoi on vous parle de cette voiture-là? C'est qu'on a fait intervenir notre compère Jean Pagési de PCA Service. Et en fait, avec lui, il connaît beaucoup mieux les prix de l'automobile et les opportunités d'achat. Et les Tesla ont tendance à beaucoup évoluer dans le prix, ce qui est assez original dans le monde automobile. Elles peuvent prendre 5 000 ou 10 000 euros. Et parfois, on se réveille le matin, ça a changé. Exactement.
Et là, en fait, la Tesla Model Y, d'entrée de gamme, qui est déjà très bien, est moins chère qu'une Tesla Model 3. Et donc, en fait, nous, ça nous a paru à tous une anomalie. On pense que notre pari, c'est que ça ne va pas durer longtemps. Foncez. Ben, ça se trouve, on a tort. Mais en tous les cas, c'est notre pari à nous et c'est notre analyse. Et donc, du coup, on a monté cette vidéo avec Jean, qui en plus a des super offres. Mmh. Vous pourrez aller voir sur PSA Service. Appelez Jean, allez voir sur PSA Service. Si effectivement une Model Y vous intéresse, c'est le moment. Si le moment, c'est là. Ouais, exactement. C'est là. Il ne faut pas tergiverser. Hein. Donc, vous la verrez vendredi. Ben, je pense qu'on peut. Est-ce que tu avais d'autres choses à rajouter ? La semaine prochaine, on verra peut-être Jean parce que c'est la fin du mois, il y aura les chiffres du mois, ouais. Normalement, donc on sera content. Il y aura aussi les mensuels puisque on arrivera en novembre, ouais. Donc on aura ça file déjà. Hein, ça fonce à une vitesse folle. Et on vous remercie d'ailleurs, ça fait deux mois, ça va faire bientôt deux mois. Deux mois et on arrive à 20 000 abonnés, ouais. C'est quand même fou. Non, hein. Puis surtout 2 millions de vues, on a fait 2 millions de vues sur YouTube. Plus de 2 millions de vues sur YouTube, plus de 2 millions de vues sur TikTok. On est devenus des TikTokers. Des TikTokers fous. C'est marrant parce que TikTok n'était pas dans la stratégie initiale. Ouais, ouais. Mais c'est, voilà, on est opportuniste aussi là-dessus. Ouais, voilà, clairement. Voilà. C'est rigolo. On va pas dire non, TikTok, c'est pas pour nous. On vous embrasse. Et à très vite. Vendredi en Tesla. Et puis beaucoup de choses qui arrivent. Ouais. Hein, à bientôt, les amis.